contentement avec nous jeudi là. Je dis assez vendredi, c'est week-end. Week-end a fait commencer. Et pour nous même nous déjà dans le week-end déjà, ça dépend que tout regarder nous et leur regarder programme ça. Et pour moi, le week-end nous on doit même être fini même. Bon, en tout cas nous bien contents que nous là jeudi et dans le salio. Nous ici dans la capitale fédérale américaine, Washington DC, Jacques n'est pas là jeudi à tout ça qui l'a calé. Donc nous sommes à domicile, monsieur Chita en bon pays bois. Je vais la préparer et mission après-midi à la de la Pouébanou et Pita. Et actualité internationale là, bon, dossier de l'ancien président Donald Trump et la Pired et avocat qui a enquêté sous dossier, avocat qui a enquêté, mais il proposait juge qui a supervisé et qui a supervisé le jugement et il proposait une date. Éventuellement proposer une date qui c'est janvier 2024 pour procès t'a commencé et ils disent un procès capable de durer jusqu'à 6 mois. Ça veut dire que le président Trump a fait 3 procès qu'a fait dans même janvier, mars et puis mai et 3 procès normalement. Alors pour le cas fédéral là, cas et situation de DCA soit fait complot pour et changer les résultats d'élection en faveur là, eh bien dossier ça. Juge là, il propose. Bon, juge tourné pour lui prononcer lui pour les rapports avec le président Donald Trump le 28 mai et non, 28 août. Et année ça, les rapports avec lui pour une audition et très certainement ça, l'a déterminé qui date que lui-même était quoi le jugement à fait. Mais on a vu que l'avocat qui a défendu l'ancien président pour lui-même, il m'a dit que je ne sais pas le temps de la faire par là, il a besoin de temps. Parce que ça, le recovery. Et le fait que c'est qu'avant le jugement, il faut que l'avocat ait toute information dans le mail, pour toute information que l'avocat a été gagné, pour qu'on ait qui gère eux-mêmes, pour qu'on défendre le client. Donc ça veut dire que c'est pour ça que le délai que déjà là n'a pas suffi. Il n'a pas suffi, donc le Sénat suivre quand même. Donald, le président Donald Trump, il y a 3 procès qui sont potentiels et un 4e qui s'est fait sur le coup. Il y a un procès, il y a un procès dans Miami. Le grand procès de New York et le grand procès ici de Washington DC et tout le monde a qui est en train faire là pour que l'élection soit en train faite. Et en plus, on a posé des questions pour qui ça s'est passé tout. Si après, pour un procès, il a condamné l'ancien président et puis dans le procès, il est coupable, est-ce qu'il y a toujours le président des États-Unis? Ça, c'est un peu expert légal, les gens qui savent dans le domaine, qui sont capables de scolario, qui sont capables de parler de ça pour nous connaître qui ça que tout le monde doit attendre. Mais en attendant, nous étions dans la limite et connaissance de nous. Jusqu'à présent, nous serons procès qui vous faites. Mais nous connaissons seulement pour ça, pas empêcher que les courtiers mènent une campagne, ils n'ont pas aucune provision légale qui empêche ça. Ça, c'est pour l'ancien président Donald Trump, et même sous le CICI-là, côté que M. continue à parler, il continue à mener une campagne, il n'a pas de rendez-vous que le 28 août là. Mais le 25 août, ou peut-être le 24, a bien premier débat candidat parti républicain qui a cherché nomination parti. Et il semblait que le président Donald Trump n'a pas trop intéressé à participer dans le débat. Ça, d'avoir un document pour participer aussi, et même pour renoncer un document d'allégeance, de fidélité, avec, pour promettre, si, même si je ne vais pas passer, je vais suivre des candidats. Je vais suivre des candidats qui passent dans nomination, dans l'élection primaire pour partir. Je suis dit, il n'y a pas pour lui. Il n'y a pas pour lui, aucun candidat, donc il n'y a pas pour lui, aucun papier, et il n'a pas envie de participer. Donc, ce dossier là, pour nous connaître qui laisse à faire, est-ce que l'absence de papier avait pour participer dans le premier débat. Puis, il dit, il a cherché un autre moyen pour qu'il fasse une autre émission spéciale. Joue ça, mais bon, jusqu'à présent, il n'y a que d'attendre. Et Niger. Les leaders coup d'État nigériens ont menacé plutôt le président Mohamed Bazoum si les pays voisins ont essayé d'entrer dans le pays pour venir libérer. C'est-à-dire que si tu as une invasion militaire qui a venu de la et M. CDA a promettre et de l'a passé déjà, de l'a passé 6 jours déjà depuis de l'a passé. Donc, je promets que Kounia y a une option, Kounia y a une option militaire, une intervention militaire, que vous faites déjà de l'autre côté. Donc, une option intervention militaire pour venir retourner le président, déposer à la place. En tout cas, les coups d'État, même si ça fait, il y a plus.
Donc ils ont menacé pour faire. Nous disons menace. Ils ont menacé pour faire ça. En tout cas, dossier encore qui est vraiment ouvert et sur le chemin à suivre. Et puis dossier du feu qui prend en Hawaï, mes amis. Proposé. Pour petit, il y a 55 personnes qui m'ont identifié ça. Et ça, c'est des gens qui disparaissent, des gens qui ne répondent pas à l'appel. Je dis que c'est un certain de monde qui était habité tout près de la mer, qui était obligé de jeter dans la mer. Je dis que deux îles étaient complètement détruites pratiquement. Et ils sont ceux qui sont touristiques parce qu'à Hawaï, ils sont touristiques. Donc, il y a un petit effort. Le président Joe Biden a déclaré une sorte d'état d'urgence pour aider Hawaï, pour aider eux. Mais le gouverneur, en fait, là, il garde dit qu'il sauver de trois monde. Mais c'est pas suivi, il y a des gens qui ont cherché toujours. Mais jusqu'à présent, cause du fait avoir, on est passé, il faut recadrer une fois, cause du fait avoir, c'est en pile. Et le monde qui disparaît, qui n'a pas eu, par contre, c'est tout le monde qui s'est passé. Donc, ce n'est pas qu'à prendre un pile temps pour refaire une évaluation encore plus aujourd'hui. Il y a un pile hôtel, et il n'y a pas dit qu'il y a des trucs, mais au moins, il n'y a pas identifié les gens qui mourent. En fait, il y a des gens qui mourent, c'est des cadavres jeunes, et ça, des carcasses boulées, comme qui boulent dans le tuyau. Je ne parle pas de la propriété qui boulée, des cailles, des machines qui boulées, tout ça. Et nous pouvons aller n'a pas été aux États-Unis. Une bonne nouvelle pour nous et mon immigration mieux. En tout cas, le département de sécurité intérieure des États-Unis à partir de jeudi 11 août là, eh bien il y a mis en application et rentrée conditionnelle pour un groupe immigrant dans cadre de réunification familiale. Pour groupe immigrant haïtien avec cubain. Donc si on nous t'a appliqué pour un monde, quand tu papa m'a appliqué pour moi ou bien mon maman t'a appliqué pour moi et que l'immigration t'a approuvé de demande. Mais l'immigration t'a approuvé de demande là, mais elle te prend temps, il prend temps pour l'immigration relève, il prend temps pour voir dossier là et visa center qui pouvons voyer l'aide ban moi pour mon capable pour trouver support financier pour tout process à faire pour voyer non ambassade pour aller faire santé à faire test tout bas ça il prend temps et bien les militants qui défendent les migrants ont jamais mettre pression sur l'administration je dis bon oui mais depuis que monde ça là a souffert monde ça capable là pour savoir conjoint. Eh bien, étant donné qu'il y a un nouveau programme Biden, eh bien, monsieur l'administration, tout profite de ça, il dit, mais bon, en nous entendons ça dans le programme Biden, dans le même programme Biden, la seule différence, c'est que nous avons fini aux États-Unis, il y a une temps de résidence. Et cela, on a peut-être mis une date limite, on a mis 2014, on a mis une demande de capitaine 2014, peut-être mis une demande de capitaine 2007. En tout cas, l'État semble réussir, il y a aussi 2007 et 2014. Mais, ou gagner une demande qui était déjà approuvée par le service immigration. Et ou recevoir une invitation dans le Visa Center qui a une invitation par où. À partir du moment ça, et bien bon, on va remplir la forme 134A, genre, on fait bonjour à million de monde, on va remplir la forme, sur le côté gain, on va pas faire quand même. Le côté gain était approuvé, mais qui peut être rentrer aux États-Unis, et bien c'est pour dans le cadre de réunification familiale. Ça m'a dit, il n'y a pas semblé d'y appliquer pour un frère qui t'applique pour un frère. Mais il est plus appliqué pour maman, papa, petite, madame, mari. Je m'avais cherché plus de ça et m'a invité lundi à venir à Guerline Joseph, qui est un militant qui a défendu les migrants. Il est basé en Californie, mais son pigeon voyageur qui est tout côté, qui a voyagé, qui est toujours tout côté, donc il est n'a pas invité pour venir porter plus d'explications sur dossier là pour nous mêmes on même amis nous cap garder nous pour nous capable connaître exactement qui gens est-ce qu'on qualifié est-ce qu'on reçoit une invitation mais il y a même voulu même pour ta faire sans limite ça veut dire que même si on te font application pour hier depuis et gouvernement depuis on était approuvé même si était hier application faite il semble que tu capable participer là mais les beaux la nuit on a fait 2014, mais il dit qu'il y a pour une invitation. Donc, tant d'invitations dans Melo, vérifiez Melo, vérifiez e-mailo, vérifiez boîte pour salo, ou est-ce que vous avez une invitation qui vous est pour vous, et comme ça, vous pouvez avoir un petit sponsor, vous pouvez rempli forme dans pour vous, et bien là, pour recevoir une invitation, vous pouvez rempli forme dans pour vous, et puis vous pouvez le bail,
et puis on a processé au même temps d'emails, emails à vision non et puis là on fait tout là, mais ça a plus rapide que soit peut-être parce que personne ne monte pas dans le processus et demande monde qui a pris forme 130 i 130 et mais pas qu'on est etc. Moi même qu'on est monde qui a appliqué pour moi depuis 2007 jusqu'à maintenant mon avis même approuvé ou pas approuvé bah mon devoir pour être admis mais je te seulement pour moi pour les bah mon avis maintenant et oui nous recevoir demande moi et c'est là qui va ramper après ça va ramper en rien parce que l'ina c'est vraiment long, c'est des millions de capteurs. Même nous, mais ça, il y a seulement pour Haïtiens avec Cubain dans le programme réunification familiale. Car nous avons parlé dernièrement pour ces deux pays, comme Salvador, Honduras, Colombie là-dedans tout, et beaucoup pour ça. Donc, Haïtiens et Cubain, tout rentré là-dedans. Et ça me dit que non. Donc, c'est DHS, et puis. Et puis dans le pays d'Haïti, bon, il y a un forum pour un ancien premier ministre qui sorti un communiqué conjoint côté exprimé qu'est-ce que gain pour la situation du pays d'Haïti. Et il a demandé pour responsable au fond, Jean, pour améliorer la situation sécuritaire. Donc ça, c'est forum ancien premier ministre parmi eux. Alors, il y a un peu de ancien premier ministre Vince Paul, il y a Laurent Lamotte. En tout cas, j'oute et il y a encore qui était dans la planification. Et bon, nous contactons tout le monde qui est dans ce pays. En fait, c'est eux qui signent et communiquer ça. Mais n'a pas que parmi eux même bien là dans le truc qui sous sanction internationale. Il y a sous sanctions que la communauté internationale, par exemple, le Canada par sanction contre quelques parmi eux. Et puis, est-ce que même les États-Unis par sanction contre eux? Nous ne connaissons pas, mais nous connaissons le Canada par sanction contre l'ancien premier ministre, qui quelques là-dedans qui semblent être mêlés dans l'activité gang ou d'avoir encouragé à faire gang dans le pays, à poursuivre la terre, etc. Et c'était Bahel Tepran, en tout cas, concerné eux. C'est dit qu'il aller en appel, il n'y a pas signé le gouvernement canadien, mais pour ça raison. Il a été même employé en cabinet d'avocat pour défendre le gouvernement canadien. Et puis dans le pays d'Haïti, toujours gang, il continue à semer la terre, toujours matin encore, dans un cas foufait, il dit que c'était coup de fusil tapis qui passe par là. Il y a un rivière même qui était même frontement à une station radio dans la capitale là, pour lui dire ça l'attendait, pour lui dire une situation malouque, pour qu'on s'est couru caché en bas à bande pour Balmaron, pas prendre. Ça c'était pour le monde qui était exactement là et matin. Mais dans la zone Torsel, dans la zone Bosan, ambassade américaine, tout, c'est des ordres, monsieur Gang et vite l'homme mieux à bas problème. Et il semble que la police mène une opération pour dans une opération dans une carte de bouquet à côté. Il semble que tout y est près de six membres qui ont identifié comme membres gang. Et bien, on a dit qu'en Équateur, la police dans une zone mène une opération pour côté. Il a arrêté 6 membres qui ont identifié comme membres qui ont été agrippés avec assassinat candidat à la présidence pour l'élection qui a fait un mois tout à l'heure. Et bien, et il a été ça comme citoyen de Colombie. Et dossier encore qui est ouvert dans le dossier de marche pour vous. Et puis, cette première mise à jour, il y a nécessaire de appel patriotique pour qu'on gens pour se réveiller à une situation malheureuse que le pays a trouvé depuis le pays. Et puis, hier, c'était hommage. Liane Pepon, nous avons été mourir après. Dans ça, il y a une mort subite, qui a été son crise cardiaque. Et je ne sais pas si c'est une crise cardiaque, mais nous avons subite. Et il y a eu un hommage, il y a eu une cérémonie pour lui dans le palais municipal et Delmar. Et jeudi, il y a eu l'autre cérémonie pour lui encore. Il y a eu un hommage encore, ça, c'est une radio qui est à même. Un petit peu dans le centre-ville là
et c'est la monde qui a une dernière parole capable de dire de nous capable toujours aller dire aller saluer et rendre hommage etc. Et you know it happened now Marvel Dandin qui c'est copropriétaire et Radio Télé Kiskeya veut dire son groupe Haïti perd un monde dans moins besoin moins non prendre ça dire donc enterrement funéraire à la chanter demain samedi 12 et tout là n'en pas citer c'est certainement que la chanter là c'est parce que pour faciliter le groupe c'est mon cas une capacité par chanter à son petit mini stade pour être capable un monde pour être capable un monde d'une dernière image et puis gagner pour ancien président provisoire et maître Boniface Alexandre le même gouvernement a décrété un deuil 3 jours pour lui et funéraire par le fixé pour le 14 et le 14 mais funéraire ça il a chanté dans cours de cassation avec monsieur ancien président cours de cassation lui avant que devienne président et président provisoire dans après coup d'état et Jean-Baptiste Aristide prend en 2004 là et elle était DGP il y a deux 29 février, je suis passé pour passer pour ancien et devenir président, René Préval en 2006, c'était dirigé tout ensemble avec ancien ou défunt premier ministre Gérard Latortue. Et oui, c'est ça, nous sommes capables de dire oui, là, de ces ministres. Et oui, c'est ça, on va y passer certainement que je ne vais pas dire non, mais. Pas qu'un bien de toute façon. Donc c'est ça, et c'est fini à ça qu'a fait lui-même, et c'est vers le 14 lundi. Et c'est devant dans le cours de cassation, il a fait voilà. Entre temps, il a gagné et. Il y a activité, jusqu'à présent, il y a plein de nominations, pour négociation qu'a fait à côté. Entre monde qui supporte en CPMTD, qui a supporté le Premier ministre Ariel Henry avec accord. C'est lui-même qui est le seul chef gouvernement. Il a le gouvernement à une tête. Avec l'autre monde qui a supporté un accord Montana avec qui lui-même peut voir un gouvernement à deux têtes là-dedans, avec un président, avec un premier ministre, alors que l'autre monde là. Donc nous sommes dans une négociation pour l'OS si on a voulu jouer une entente. Avant même la force multinationale. Maintenant, déjà, la force multinationale, ça, que Kenya a demandé pour nous diriger, par condition que les Nations Unies, Bali et on fait peur, ou autorisation, eh bien, et opinion partagée à partir de ce qui fait dans le pays même sur ça. Mais Kenya qui veut qu'on force dans le pays là, dans la fin de semaine, qui vient là, justement, délégation qui va analyser le terrain pour est-ce que le terrain est propice, ou aussi terrain propice, qui s'accueille a besoin pour réussir la mission ça. Et mission ça qui déjà a quelques pays qui confirmé participation là-dedans, mais puis me l'a demandé pour ça que les États-Unis pas participé directement là-dedans. Bon, les États-Unis là-dedans, non, ils n'ont pas tout démarche à faire, c'est les États-Unis qui fait, parce que les États-Unis pour mettre lui-même ensemble avec les quatre pour soumettre devant le Conseil de sécurité à une résolution qui peut autoriser Kenya et diriger mission celle-là. Donc, pas poser de questions parce que c'est comme ça va là. Les États-Unis là-dedans, les là-dedans, tout comme Canada, tout. Parce que ni Canada ni États-Unis, au moins au point de vue support financier, technique, matériel, mais deux pays ça a aidé à prendre engagement eux-mêmes pour aider et succès et mission cela. C'est ça qui vient encore. Et j'espère que nous allons passer un bon week-end. Dès qu'on a des informations, nous allons partager avec nous. Nous partager des informations sur l'immigration que nous connaissons. Nous ne parlons pas de ça, nous parlons du football. Pour la sélection nationale, U15 haïtien, il y a le Canada. Après, nous avons compris que le Canada n'est pas l'Haïti, en tout cas, sélection masculine. U15 a le Canada 1-0, il est passé pour une finale, mais malheureusement, Haïti peut le rencontrer avec les États-Unis encore. Nous ne savons pas qui en calendrier ça fait parce que Haïti est rencontré avec les États-Unis dans la phase de poule, dans la phase de groupe là, et Canada et les États-Unis sont calés et Haïti. Et alors que le Canada et les États-Unis calé Guatemala dans le quart de finale là, on a fait de 4 à 0, et il va rencontrer avec Haïti encore dans la semi-finale. Ça qui pour un peu de monde dit qu'il n'a pas fait sens. Il va faire sens parce qu'au moins qu'il a rencontré avec là dans la finale. On ne peut pas retourner rencontrer avec dans la semi-finale après qu'on ait rencontré avec dans la phase du groupe de fond de garde qui a fait 40 ans. Puis il y a Timé Damio.
Haïti Canadien U17 yo yo même tout là yo tout en République Dominicaine actuellement République Dominicaine c'est base nous lié c'est là nous déjà participer dans compétition que nous pas parce cause Haïti pas accueilli compétition la caille donc mesdames U17 yo yo l'autre bois tout yo pas participer avec tout type de sur ta réunion dans trois places qui disponibles pour prochaine coupe du monde U17 là et puis dans caille gros mesdames yo on pas les seniors yo ça va être coupe du monde football féminin qui a déroulé en Australie avec en Nouvelle-Zélande et bien et nous pas dans encore je veux dire qu'on est à nous au moins nous dans la quart de finale et bien dans quart de finale qui jouer l'Espagne surprend la Hollande et calé la Hollande 2-1 pour passer dans semi finale là et tu gagne équipe la Suède. Bon, la Suède pas de trop de difficultés parce que Madla Hollande et Espagne la terre allaient en prolongation et Espagnol le marqué goal victoire pendant prolongation. Le marqué goal victoire. Ouais. Donc, mais ça a allé dans la Hollande, tout, mais il y a une opportunité pour que l'équipe rate. Bon, c'est Espagne lui-même qui peut aller et c'est pour la première fois l'équipe Espagne là pour aller en semi-finale et Coupe du monde football féminin. Et puis, dans l'autre match qui était joué encore, et maintenant, je regarde hier soir. C'était quelqu'un qui était joué à 10h du soir. Et puis, matin, Bonnet et l'autre encore. Donc là, c'était et la Suède contre la Suède. La Suède contre le Japon. C'est une belle équipe japonaise, malheureusement, qui est éliminée. Parce que les Japonais ont perdu 2-1. Mais ça, c'est pendant le temps réglementaire, mais ça finit. Et puis, demain, par le l'autre match. Et il y a deux matchs demain, deux derniers matchs quart de finale. Et les derniers matchs quart de finale, c'est d'abord un organisateur de compétition qui est toujours dans la course là, on a parlé de Australie, qui lui-même a rencontré avec la France, qui est une belle rencontre parce que l'équipe française est très solide l'équipe française. Et puis il y a un deuxième match, massacre nous avons intérêt là-dedans, et c'est sur l'équipe d'Amérique du Sud qui était dans la compétition. On a parlé d'Angleterre qui a rencontré avec Colombie. Et match ça, on a bien information sur lien pile. Et avec Jean-Thierry Augustin et Valé Saint-Louis qui ont même trouvé en Sydney pour qu'ils rencontrent ça. On ne peut pas fatiguer nous, rencontrer ça avec nous. Et après les résultats, je dis, et comme c'est moi qui ai présenté l'émission journal radio télévision. Eh bien, on a bien voulu parler avec Jean-Thierry Augustin. On a bien pu parler non, surtout de l'entraînement. On me convainc de presque entraîner Colombien à Tibasso. Écoutez, ma vision, qui j'en a regardé match ça face à l'Angleterre, et que reconnaissent son gros équipier. Mais je dis, au pas petit, mais sans garder, il ne va pas faire cadeau. Si l'entraîneur est calé, mais c'est pour la calé avec difficulté. Et au même temps, si vous avez une opportunité, vous ne pouvez pas rater, il va chercher le résultat, une victoire, tout, et continuer à aller dans la semi-finale. Il n'y a que d'attendre. Et on a bien gentil de vous faire un peu d'entraînement parce que j'ai un petit talent en entraînement. L'équipe là peut le garder, etc. Et puis il parle lui-même, il t'a assisté conférence de prestataire pour le côté. Donc nous disons que nous ne finissons pas gâter qu'on y a avec deux monsieur Sarro qui est l'autre bois là qui a porté l'information. Et bon, il n'y a que c'est seulement, et puis gagner tout, nous avons parlé de tout, par exemple de. Et coup d'état militaire dans Niger, nous avons parlé de et assassinat président. Équatorien, candidat à la présidence équatorienne, et nous avons parlé autour, Rodriguez jeudi a parlé de nouvelle soumise de Tio, et puis nous avons Abela dans Miami, qui s'est dans la photo, qui est sur une ambassade, qui est sur un festival, et qui est sur un cercle avec Sing. Monsieur Sarah, ils ont joué ensemble, et c'est un bel bagage. Donc, et Abela était ouvert pour nous, et bien je tiens à m'apprécier, ouais, si je me fais place pour me mettre pour faire un moment, pour qu'on voit ça que tu dis, ça participe, ça organise de festival ça à côté. C'est que tu es là et puis ensemble avec Stream. Elle va aller. Dans l'habitat, et puis après je dis c'est vendredi, soit conduire, on ne peut pas consommer alcool, et si on consomme alcool, on ne peut pas conduire. Et ou même tout sous son piéton, ou son libre. On a bon au libre. Si on a fini de consommer l'alcool, on n'est pas obligé de citer la machine avec. Dis merci beaucoup. Ou bien si on conduit tout, dis bon conduit pour vous, et puis mener la caille. Bonne fin d'après-midi. Bye bye.
Et je pense que nous allons essayer de garder, analyser plusieurs séquences dans l'intervention ISO. Plusieurs séquences dans ça ISO dit là. D'ailleurs, nous, ISO clair, l'idil paraît, l'IPRE, l'APCHITA, l'APRETETAN, soldats étrangers, ça y est. Et l'I clairement dit que c'est pas 6, pas 7, l'IPRE le tout. Ou quand ça fait que nous pas qu'à ignorer ça, ou quand ça fait nous pas qu'à prendre ça à la légère, c'est parce que ISO, bas 5 secondes là, en soi, yon kon habitué poser de ces deux actions déjà. Fok nous pas prendre à la légère. Fok nous pas ignorer. Fok nous pas importance avec parole que ISO dit yo. Ah oui, fok nous pas en pile importance avec yo. Moi fait entendre, c'est vrai. Nan direct ça que ISO t'a fait. Ou est go côté que la fait question humour la donne. C'est comme si c'est une blague, mais nous pas qu'apprendre pour blague, non. Nous pas qu'apprendre pour blague parce que il y a trois souvenirs que nous gagnons que équipe bas 5 secondes cap dirigé qui bas école en dedans village de Dieu subit ça tenir là, il y a pile action nex à opposer. Et ne pas oublier notre date qui était 12 mars 2021 comment que équipe 5 secondes là ils ont dirigé hein, t'as pral mettre de l'eau, t'as pral mettre la peine dans mi ta famille, plusieurs policiers agent SWAT et puis agent Boyd qui donc pas ignoré et pas fait négligence avec ça ils ont dit hein. Et go pas que paramètre pour nous garder avec question ça. Et pas oublier que nèg yo avant même que ou est que ont fait massacre ça sous policiers yo nan date qui était 12 mars 2021 la police était tenté à moins reprise pour garder comment que était capable rentrer en dedans village de Dieu. Il était toujours paraître impossible. Ah oui, plusieurs fois avant même 12 mars 2021 la police était tenté plusieurs fois pour te garder est-ce que capable rentrer en dedans village de Dieu. L'ité paraît impossible. Et c'était une décision qui t'a pris définitivement. Dans la date qui t'a pris 12 mars 2021, l'est que la police t'a pris le temps de garder si au cas rentrer dans le village de Dieu. Avec plusieurs chablendés, n'est-ce que t'es tant en pile piège pour policiers nous qui t'a rentré dans le village de Dieu. Nèg yo te tan en pile piège pour policier nou yo qui t'a rentré en dans village de Dieu. Et n'a songe que nèg yo te prend deux chablendés. Et dans deux chablendés sa yo, gen youn qui te boulé. Gen youn que nèg yo te mette dife la dan. Et l'autre chablendé qui te gen couleur noir là, nèg yo te prend. Et par la suite la police t'a pral fait qu'on est selon Léon Charles qui nan moment qui était directeur général à la police non li t'a pral crier victoire bon côté pâle pour te dire que la police récupéré chat blindé té nan main bandi yo alors que négoté pour plusieurs armes négoté pour plusieurs armes qui té nan main policier qui était dans chablende ça que yo te prend dans chablende qui yo te prend yo te gen en pile zam qui était dans mes policiers yo équipe 5 secondes ils ont te prendre te prend zam ça yo et te prend tout le matériel qui était dans mes policiers ça yo et te garde des vidéos yo nous te voit comment que nèg yo te raché policiers yo nèg yo te départi à policiers yo. Et joue opération 12 mars 2021. Gen de policiers que nous apprenons dans information que nous gagnons. Policiers sa yo, c'est bien oui. Policiers sa yo, yo même en soi, c'est de bons chrétiens, c'est de bons samaritains qui te caché en de kayo en dedans village de Dieu. C'était de bons chrétiens encore. Bons samaritains qui te caché policier sa yo
en bas cabane était fait policier ça déguisé en femme puis était qu'à sortir en dans village là. Et ben bon ça ou pas connait comme information. Je crois que dans le jour qui était 12 mars 2021, l'action s'est passée vers les 9-10 heures dans le matin. 9-10 heures, 11 heures, midi, il était passé dans le matin. Est-ce que tu connais des policiers dans ce qui était en dedans, qui était obligé à le cacher en dedans Kaimoun, en dedans village de Dieu? Est-ce que tu connais des gens c'est vers 9 heures, 10 heures, 11 heures jusqu'à minuit, yo te obligé, habitant dans la zone, bon samaritain dans la zone, yo même, yo te aide policier sa yo, sauver la vie yo, et mette au de yo, subissant tenir là. Ou pas de compte ça, non? Ou pas de compte ça? Ok, ou pas de compte ça? Mais m'bo ça comme information. Moi fait rappel ça pour comme information. Faut nous garder en clair et faut nous vraiment analyser. Faut nous essayer de garder plusieurs paramètres. Nos paroles, ça isodien. Faut nous garder plusieurs paramètres. Et faut nous garder est-ce que effectivement, je que isodil et nous sotandil. Non notre vocal que lui même qui t'a fait un direct et en plus mon t'a suivi lui faut pas ignorer faut nous pas ignorer ça parce que nèg yo habitué mener de gros combats nèg yo habitué mener de batailles face avec la police nationale d'Haïti et c'est vrai que nka dit que la police nous, li manque matériel, li manque formation, nan question opération anti-gang ou bien terroriste, mais gen quelques policiers qui ont même qui gen capacité et qui capable parer et qui prêt pour mener bataille contre question nek armé sa yo. Et je dis yon, pas oublier que ils ont toujours déclaré tête li. Li c'est artiste mafia pays. Et li gen connexion avec plusieurs groupes armés qui en dans pays là. D'abord, ils ont gen connexion avec monsieur Gravigno. Et connaît très bien Gravigno s'il applique à diriger groupe armé ça. Ils ont des rapports avec M. Canaranyo, qui est Jeff Agbogi, a dirigé l'équipe Canaran. Ça ça veut dire que, les que ils ont clairement dit, les prêts, les parés, pour que les fait face carré avec soldats étrangers, ça yo, avec policiers étrangers, ça yo, qui dit yo, y a débarqué dans le pays. Y a vin mettre la paix dans le pays. Y a vin bataille contre question gang armé dans le pays. Là, faut que nous posions nos questions. Et moi certain que même responsable na wo commandement la police là, yo dit tête yo que faut yo repenser et faut yo étudier façon que si force internationale ça, si force multinationale ça, li débarquer dans pays, comment que pour mener opération ça yo, que yo pral mener yo, pour éviter que yo pas victime, en bas balle, en bas action, groupe individu armé ça yo. Comprenez bien. Faut essayer de comprendre très bien, ça m'a dit. Go pas quel paramètre faut garder. Une première bagarre pour garder, c'est que même j'ai un pile acteur qui dit là, monsieur Sexu Gondio,
Messie Gran Ravinyo, nek Tiboua yo, nek yo konne, espace kote yo ya très bien. Prenne bien samedi, hein? Nek yo konne, espace kote yo ya très bien. Ça veut dire, c'est pas un bon matin. Les que force étrangère ça débarqué dans pays hein. Et puis pour dire tête li pour en y penser que li pral porter bourré dans zone ça yo non et si yo quoi yo penser yo pral porter bourré dans village de Dieu dans grand ravine dans tibois dans peignier torsel dans quoi des bouquets bas 400 maouzo nan Balatibonite lien kouti rivière nan zone cité soleil nan Bel Air si yo pense yo di tèt yo c'est yon bon matin que y a pran levé yo pral mener opération yo pral déchouquer yo pral démanteler yo pral désitirer nek armé sa yo selon en pile observateur c'est bien pensé mal calculé. C'est bien pensé, mal calculé parce que jeune garçon sa yo ak jeune femme sa yo ki yo même converti tête yo en véritable groupe terroriste, en véritable groupe cannibale ka manje prop frè yo, prop sè yo. Ou pas qu'à lever un bon matin pour dire qu'on pral décider tirer yo. Yon nan bagay ke m'ap di nou ki clair. Bataille ki gen la soubi sa tenir lan. Lise pa jounen jodi an. Et ça pral gen de l'année et plus que de l'année pour me dire bien. Ça pral gen plus que de l'année. Ça pral gen plus que dès l'année que bataille entre trois groupes armés sa yo. Bataille entre équipe Tiboua, équipe Gran Ravine ak équipe village de Dieu yon li démarre. Et pas oublier que en pile moun mouri pendant de l'année bataille équipe armée subi centenaire. En pile moun mouri. En pile moun blessé. En pile moun kidnappé. En pile femme violée. En pile kay boulé. Nego pillé. Za fè moun ki an de kayo. La police, l'État haïtien, li pa jam mené. Li pa jam pran de bon jan décision. Pour arriver maté et bataille contre les armées. Et preuve là tellement grand, ou capable de garder ça. Je dis, mandé avec France LB. Est-ce que sous commissariat Matissan, est-ce que la police reprend contrôle li? Mandé France LB ça. Mandé ou comment la police là? Est-ce que sous commissariat Matissan, est-ce que li reprend activité? Est-ce que les policiers qui yo même a fonctionné en dedans sous commissariat Matissan? Mandé Ariel Henry question ça tout. Posez question ça. Mandé ministre affaires étrangères, ministre justice et sécurité pays d'Haïti qui c'est Emily Prophète Milsé. Mandé est-ce que zone Matissa, Fontamara, Porta Léogane, zone sa ou ke ministre en d'accord, ke yo se ou ensemble de territoire ke l'État pedi. Yo d'accord que comme autorité, nan pi ou niveau dans l'État, yo d'accord que ensemble de espace sa yo, yo se de espace ki pedi, mande ou sa, ki je foke ou fe, ki sa opposé comme action, concrètement pour que capable reprendre contrôle Matissan yo capable reprendre contrôle Bicentenaire
D'ailleurs, c'est un bicentenaire qui a abandonné. À côté nek armé sa yo, qui prend 3e circonscription Port-au-Prince en otage. Mais en termes de sanrelé, insalubrité, fatra, glossal, toute qualité, je dis, c'est une autre réalité. Moun kap fréquenté Route Matissan, Fontamara, Porte Léogan, y a fait face ensemble avec lui. Li clair que je dis, hein, boîte chaîne de vote national là, ça l'a abandonné. Ça l'a rempli avec fatra. Ça a rempli avec saleté. Et zone bop, cette portail Léogan, c'est fatra, c'est la boue. Toute qualité qui achete zone ça, qui achete espace ça, zone premier, deuxième, troisième, jusqu'à 5e avenue Bolos, c'est de côté qui a abandonné. C'est vrai que quelques machins qui ont tenté pour eux. Comment qu'ils sont capables de chercher la vie dans zone ça? Zone Portail Léogan, zone Boîte nationale, zone Bostative 14. Gede machin kap essaye vraiment. Gade comment que yo ka essaye sorti tête yo. Parce que yo ge kay pou yo paye. Yo ge ti moun pou yo bay manje chaque jour dans pays, la kayo. Et l'État pap bay yo moyen. L'État pap accompagne yo. Yo oblige yo même à dégager tête yo. Yo oblige yo même à sekwe ko yo. Ah oui. Yo oblige à sekwe koyo. Je dis à moi clairement pour me dire que pas prend aucune déclaration que quel que soit nek armé qui gezam illégal nan men yo et surtout iso 5 secondes village de Dieu les qu'elle dit en parole pour nous ignorer ça. Et c'est un message en plus que le voyez by communauté internationale. D'ailleurs, il est clair, notre vocal ça qui sorti, il pral arrive joindre deux monde qui dans l'état. Ah oui. Il pral arrive joindre deux monde qui dans au commandement la police là. De moun ki nan chaîne sécurité pays d'Haïti la privé joine ou état major la meilleur la privé joine même CSPN nan. Ça le dit clairement izo kon sa le dit et izo voye message à clair ba yo et kounya dit tout que comment que force étrangère ça si que le débarqué dans pays hein comment que l'ipral définit sa rele et stratégie comment que le pral en clair définit une stratégie normale pour y arriver pour démanteler nek armé sa yo parce que m'vle ça clair pour nous moi vle que nous garder très bien ça on garder très bien faut essayer comprendre très bien parce que ils ont très puissant ah oui ils ont très puissant parce que m'pa vle pour nous dire que c'est pas trop importance avec Izo, mais non. Mais non. C'est un élément important, je dis. L'homme dit important, ça veut dire que par rapport avec puissance, capacité que gagne pour commettre un ensemble de actions. Et ça, je veux que nous garder. Ah oui. Et ça, je veux que nous garder. C'est garder autant de capacité. Faut garder autant de moyens. Et puis, stratégie, que l'équipe 5 secondes,
qui gen nan tèt li izo genye pour que les que yo di yon parole yo capable matérialiser parole ça. Et c'est ça que m'vle n'gade. C'est ça que m'vle que nous garder. Parce que l'autre exemple que m'capable prendre pour montrer nous ça. Est-ce que nous songez que à la veille de 18 mai dans date qui était 17 mai les que te gen deux blindés qui t'a traversé Canaran côté que te gen marqué son drapeau qui t'a pral porter pour aller à Kayé pour aller commémorer célébrer 18 mai 2023 passé hein les que monsieur Dief Canaran yo qui s'est allié ISO yo t'a pral prendre blindé sa yo dans une embuscade jusqu'à ce que t'a pral un policier qui t'est mouri la donne et on l'a pral blessé et t'es que un civil ou ce citoyen civil qui t'en dans une chambre blindé sa yo nèg t'a pral exactement prend citoyen ça et les que t'a pris citoyen ça premier nèg que yo relé ISO yo relé ISO ISO t'a dit dans ti vidéo moi nèg k'ap font ti rappel pour nous mais ici là nan mes sac nouvelle nous clairement t'es fait une émission sur ça ah oui ISO t'a clairement dit les que équipe Jeff Canan en relé nèg yo dit que mais comment situation y est nèg yo dit que la police a boucanté coup de zam avec yo yo échanger balle avec police qui était dans blindé ça yo gion qui mouri gion l'autre qui blessé et gion citoyen civil qui était dans chambre blindé ils ont clairement dit que rapidement l'idée dit nèg yo parti citoyen civil ça si que le pape tirer sur yo si que le pape représenter une menace ou danger pour yo piga que yo éliminer poté le bali en dedans village de Dieu. Effectivement, yo sorti avec Negla, Canaran, yo potel ba Izo en dedans village de Dieu. Ah oui, yo sorti avec Negla, Canaran, et yo potel ba Izo en dedans village de Dieu. Et te ge en pile question qui t'a posé. Et m'kwe en pile nan nou tou, tu t'as posé même question sa yo. C'est pas qui moyen que équipe Jeff Canaran yo te utilisé pour te poter citoyen sa ba Izon dans village de Dieu. Est-ce que c'est l'homme qui te prend ensemble avec lui? Est-ce que c'était l'homme qui te prend ensemble avec Nexa pour te poter ba Izo? Est-ce que ces machines qui ont été pris, ils ont traversé avec lui, plusieurs côtés, ils ont porté le baïso? C'était une ensemble question qu'on a posé. Et c'est là que je voulais dire que, et je te dis déjà dans l'émission, tout groupe armé illégal qui est en d'un pays là, yo tout en connexion. Ça veut dire, yo tout connecté une avec l'autre. C'est vrai, gen deux grands blocs. Gen deux grands blocs. C'est GPEP et G9. Qui trouvé yo dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Gen deux grands blocs. Ah oui. Gen deux grands blocs. G9 en famille et alliés. Qui gen pour slogan Mayen youn, Mayen tout. Et que Jimmy Cherizier dit barbecue, li même li se porte-parole li. Mais gen GPEP tout. La donne qui gen Iska, qui gen yon ti Gabriel. Et ti Gabriel nous connaît clairement.
qui censé c'est allié avec Izo, allié avec Tilapli. Je dis à moi pas vle vraiment chita émission ça seulement sur Izo. Sur notre vocal Izo. Mais moi vle prendre temps quand même pour que moi analyser profondeur ça Izo dit. Et même les états en blague que te dit qui visait, il pas dit en blague, il sérieux la donne. Il est sérieux dans ça le dire. Et où est-ce autant de gloire que l'a fait avec propre tête li encore parce que le touyer trop policier haïtien je dis hein, il t'a remé touyer blanc. Il t'a remé touyer étranger. Qui donc l'a paré yon pokan a toute fourmi. Dans proverbe nous hein, les que nous t'as des paroles, ça dit, la part ou pokan à toute fourmi, pour quelle que soit force étrangère, qui t'a décidé de venir débarquer en Haïti, et qui t'a dit que, y a une bataille contre en un pays. Et pas oublier, les forces étrangères, ça rentre en un pays. Ils ne sont pas prêts seulement à mener opération. En dans village de Dieu, non. Yo pral mené opération tout côté qui gen gang armé. Tout côté qui gen individu armé kap terrorisé population civile là. Est-ce que message Izo bay la,